On est avec Guillaume Viardot de chez Suzuki, derrière la nouvelle SV650. Alors Guillaume, cette SV, je me trompe ou elle a un petit air de Gladius? Ah, je dirais plutôt qu'elle a un air de SV. Elle a un air de SV, oui, donc c'est notre nouvelle SV650. On est très heureux de présenter cette moto. Donc c'est une moto qui arrivera fin mars sur le marché français. Les principales caractéristiques, comme tu as pu le voir, c'est un nouveau design entièrement refait, vraiment inspiré de la SV de 2003. Une moto qui a énormément gagné en poids, hein, on a perdu 8 kg par rapport à la précédente machine. On a gagné aussi en puissance, 4 chevaux de plus. Et puis on a travaillé aussi sur la facilité de conduite, donc la moto est plus basse, beaucoup plus fine, ce qui fait qu'elle est très accessible en fait, à la fois pour les jeunes, mais aussi pour ceux qui ont envie de se faire plaisir avec une moto agile et qui marche bien. Voilà. Des grosses ambitions commerciales, j'imagine, pour ce modèle? Ah, des ambitions, ouais, c'est sûr, voilà. Ouais, c'est sûr, des ambitions importantes, notamment auprès des moto-écoles. Donc on a un gros programme de ce côté-là pour aller reconquérir des volumes, ouais, tout à fait. Ouais. Et puis ce qu'on a pu apercevoir, c'est deux autres concepts de SV sur ce salon. Ouais. C'est un moyen de jauger la clientèle? Oui, c'est exactement ça, Alexis. On va tester ces concepts auprès du public italien, auprès des journalistes français, voir leur réaction. Et puis à partir de là, c'est possible que dans les prochains mois, il y ait des choses qui arrivent. Voilà. Alors justement, en parlant des prochains mois, on a compris que la gamme Suzuki allait être pas mal bouleversée dans les années futures. Tu peux nous en dire plus? Oui, alors pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui on présente une GSX-R1000 concept. Ce que je peux dire, c'est que d'ici 3 à 4 ans, ça sera la moto la plus vieille de notre gamme. Voilà. Donc on a vraiment de belles choses qui arrivent dans le segment des sports, dans le segment des roadsters, dans les trails, dans les scooters également. Nos gammes vont être entièrement renouvelées puis élargies pour aller reconquérir des nouveaux clients. Voilà.